Salut tout le monde, c'est Axel, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Tales of Berseria. Ce jeu, j'adore. Il est différent de Zestiria. Il est différent. Sachant qu'à l'heure où je vous parle, hein, j'ai terminé de tourner Tales of Zestiria. Pour l'instant, je trouve Berseria mieux. Mais bon, on va voir. Allez, on va parler. Yo. 探索船って何なの?異界を探索する船のことさ。俺たちが住むミッドガン王国の外には異界って呼ばれる広大な外洋が広がっているんだよ。そこを探ろうってわけ?何のために?もちろん世界地図を作るためさ。世界地図?そうだ。全世界を網羅した地図の完成は俺たちアイフリード海賊団の野望の一つ。そのために バンエルティア号も一度異大陸まで航海をした。異大陸まで?おほう、夢のある話だな。さっぱりわかんない。略してサパランじゃな。知らん場所の地図なんかあっても、しょうがないわい。けど、広大な異界の探索には強い運が必要だね。あんたたちの運を利用させてもらいたいんだ。運を利用って、どうやって?お前の直感で。 探索船に指示を出してくれ。見返りに、バンエルティア号は足として協力する。探索で得た物資も、お前の自由にしていい。指示は、シルフモドキという電車帳を使って、どこからでも出せる。すごい財宝が見つかるかもしれないぜ。それに、珍しい食材や、未知のレシピとか。財宝に食材にレシピか。悪い話じゃないな。大して手間もかからんし、 何より面白そうだ。そうね。運の責任を取らなくていいなら手を貸してもいい。じゃあ、説明するからやってみてくれ。Alors, la section expédition a été ajoutée au menu ouvrez-la. Ah, d'accord, bon, c'est pas moi qui ouvre. Vous pouvez désormais envoyer votre bateau de reconnaissance explorer les mers extérieures pour lancer ces expéditions. Appuyez sur envoyer. Ouais, on va sélectionner. Ensuite, choisissez une zone à explorer. Mer d'éléments. Les zones disponibles dépendent de votre niveau d'exploration affiché en haut à droite de l'écran. Sélectionnez la mer d'éléments et lancez l'expédition. Voulez-vous envoyer le bateau en mission d'exploration? Oui. Une fois le périple lancé, l'écran affichera le temps restant avant le retour du bateau. 5 secondes, c'est pas mal. Puisque c'est votre première fois, l'équipage va se surpasser pour pouvoir rentrer encore plus vite. Ouais, c'est pas mal, hein. 4, 3, 2, 1... Putain, si on pouvait faire des voyages en 5 secondes. Regardez-moi ça. Oh, les bolos. Vous avez perdu. Le périple est terminé. Voyons ce que cela a donné. Lors de chaque exploration, le bateau et son équipage mèneront 3 combats. L'expérience et les objets reçus dépendent du nombre de victoires remportées. Lors des explorations, l'équipage peut aussi découvrir des récompenses spéciales, comme des recettes, de nouvelles zones et des trésors. Ah ça peut être pas mal. Hein. Certains trésors peuvent fournir des compétences d'exploration qui faciliteront les prochains voyages. Activer ces compétences peuvent par exemple augmenter le gain d'XP ou le nombre d'objets trouvés. Ah, tant que ça augmente les XP, moi je veux. Ah, ou alors si c'est l'expérience de trucs, je m'en fous. Hein, mais c'est l'expérience de mes personnages que je veux. Pour finir, envoyer le bateau, mener une nouvelle exploration. Voulez-vous envoyer? Oui, on va envoyer. L'expédition est en cours. Cette fois, le bateau reviendra à une vitesse normale. Profitez de ces éléments pour obtenir... Ok. Alors, il ne reste plus qu'à attendre. Très bien. Eh bien, du coup, où est-ce qu'on peut aller? On peut sauvegarder déjà. On peut sauvegarder encore une fois. Sauvegarde terminée. Et on peut... Je sais pas où est-ce qu'il va y avoir quelque chose. Bah, le seul endroit où on peut encore aller... J'espère que pour continuer, il faut pas attendre. Bon, non, c'est juste pour nous dire, ouais, non, c'est ça. Bah, peut-être qu'il faut aller par là-bas.
C'est le seul endroit. Ah, lui, c'est débloqué. C'est débloqué. On va pouvoir y aller. ポーコク、偵察隊が強力なゴーマを発見。警戒レベル高と判定しました。了解。聖領に公衆警戒ゴーマとして登録を要請する。近隣に非常警報を発令せよ。はっ。王都の近くでもゴーマが暴れてるなんて。聖領の管理とやらも大したことないわね。アイゼン、公衆警戒ゴーマって何だ？聖領が特別手配したゴーマだ。 Vous pouvez trouver des démons classés code rouge par l'abbaye. Dans tout le territoire. Les démons code rouge sont particulièrement puissants. Ne les provoquez en combat que si vous êtes suffisamment préparé. Rencontre et combat. Si vous lancez un combat en attaquant un ennemi par derrière, vous déclenchez un combat avantageux. Pour commencer avec une âme en plus et vos ennemis ont moins de PV. Si c'est l'ennemi qui vous attaque par derrière, vous devrez résister à une attaque surprise et vous commencerez avec une âme en moins. Ah oui, d'accord. En exploration, toucher au moins deux ennemis à la fois lance une rencontre périlleuse. Ça lance pas tout de... Enfin, sur Zestiria, tous ces trucs-là, j'avais l'impression que c'était dès le début. Ou alors je me trompe. Mais là j'aime bien dans Berseria, c'est petit à petit. Des nouvelles filatures au fur et à mesure. Le niveau des ennemis augmente. Le niveau des ennemis augmente. La restauration des PV est réduite à un quart. 1 sur 4, les ennemis recevront des renforts. Fuir prend 4 fois plus de temps, les ennemis attaquent plus souvent. Ce sont des combats risqués, mais qui rapportent plus de butins et de points. Ok. Ok, en route pour l'Ogresse. Ah, y a des âmes là, j'avais pas fait gaffe. Et il y en a une là-bas aussi. Et j'ai pas sélectionné le point de sauvegarde, voilà. Au moins on sait qu'il y en a un ici. Non, il y a rien là. Eh bien, on va continuer à se balader. Hop, on ramasse ça. Je pense qu'on va faire quelques petits combats dans cet épisode. Histoire de fermer un petit peu. Puisque là, je crois qu'ils vont tous bientôt monter de niveau. On est d'accord, ouais. Puisque Velvet a augmenté de niveau. Il y a peu. Alors, on va essayer de voir tout ça. Bon, ici, on peut pas y aller. Les côtes. Sinon, je peux suivre les chemins et avoir des choses. Waouh. Il y a plein de gens là. Les gars, il y a plein de gens. Hop, hop, hop. Allez, je suis sûr qu'il y ait... Ah, voilà. Rencontre périlleuse. Non, ça n'en est pas une. Ah, je crois qu'au dernier moment, ils sont séparés un petit peu. Tiens. Là, voilà. Ils sont vénères, les serpents. Ils sont niveau 13 aussi. Tiens. Hop. Ça va. Ah oui, ils ont 2000 life points. Oh, ça va. Ça va. Là, ils sont écrasés. Ils sont golos. Mieux vaut ne pas les attaquer, puisqu'à chaque fois, on sait que si ils sont dans cette situation-là... Ils ripop, là. Je rêve ou ils ripop. On a tué plus que 3, là, depuis le début. On sait rien. Oh, tuez-le. Tous sur lui. Le double. Allez, 112 pour tout le monde. Au début d'un combat, tous les personnages récupèrent des JP en fonction du nombre de têtes de rang. Souvent un art de son arsenal. Je vous encourage ainsi à utiliser tous vos arts. Ok. Allez, on va combattre. On va essayer d'avoir une rencontre périlleuse. Ah là. Situation dangereuse. Allez. Bon, je pense que ça va être... on va être un petit peu fucked up sur ce combat là. Mais tant qu'on peut avoir un petit peu plus XP. Voilà. Tac. Ouais. Ça va, j'ai réussi à sonner deux serpents dès le début. Dès le début du game. Oula ! Aizen est KO. What the fuck ? J'avais pas vu qu'il était KO là. Oh. Ah oui, ils sont vénères. Oh. Les gars, je suis dans la merde. Ah oui, je comprends comment il a fait pour die comme ça. Tiens. C'est terrible ce qui se passe devant nos yeux ébahis là. Tiens. Bon, ça va, je récupère plein d'âmes. Il y en a 1 million.
Ils sont des milliers. Dégage. Putain, mais ils arrêtent pas de me sonner. Dégagez. Putain de merde. Oh tiens. Bordel de merde, dégagez de moi. Dégagez de ma face. Putain, ils arrêtent pas de revenir. Ça va qu'ils soient pas trop... Ils sont pas trop à la pêche et que j'ai plein d'âmes. C'est bon. Aizen, arrête de dormir, bordel. Tiens, 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 et... Ouh. 288, et bah voilà, ça rapporte pas mal d'XP et pas mal de gal. Voleuse d'âme. Bon, au moins on aura vu ça. Je regarde s'il n'y a pas des trucs qui traînent. Est-ce qu'il y a des démons puissants? Ah, j'avais pas vu le coffre. Gilet de calcite, ok. Et on a plein d'âmes encore ici. Ça c'est bien, hop. Oh, c'est... Par contre, on peut passer au-dessus des racines, hein. Je crois que sur Tales of Zestiria, on pouvait pas, on était bloqué. Et ça, c'est quoi, ça? Un macaque! Un macaque! Alors, Gibbon. Gibbon, niveau 13, point faible, haut. Par contre, Aizen est toujours dans le mal. Alors, haut. Il me faut des arts haut. Des arts d'eau. Tac, 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 tac. J'en ai une. Double fouet. Bah tiens, on va faire... Bah, sinon... Non, on va faire double fouet. Est-ce qu'on peut faire plein de fois double fouet? Double fouet et double fouet. Voilà. du coup, c'est A. A. Allez, tiens. Oh, 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 oh. Ok, ok, ok. Je rigolais, hein, les gars. Je rigolais, les gars. Hop. Ça va, il sait heal. Il sait bien heal, le petit Aizen. Je sais pas comment il a fait. Ah mais je crois qu'il a des arts de heal. Bon il est... C'est pas ouf hein, de faire que de l'eau. Tiens, 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 tiens. Tiens, tiens. Et on va faire notre petit brisame. Je pense que eux ils vont nous rapporter pas mal d'espère. Voilà. Allez les gars. Viens ici. Viens ici. Boum boum boum. Tiens, tiens, tiens. Moi j'ai les boulots les macaques là. Tiens et... Tchou. Oh. Il a réussi à esquiver. Il a réussi à esquiver. À quel moment j'ai fait ça? Et boum! Allez, le dernier, le dernier. Voilà. 117. Ouais, ça rapporte... Et tout le monde a gagné l'XP, c'est bien. Bon. On va avancer. On va avancer un petit peu dans l'aventure, quand même. J'ai cru qu'il y avait des plantes là-bas. Mais c'est vrai. J'ai envie d'utiliser la touche à gâchette gauche. Pour avoir la carte. Ah. Ici, il n'y a rien. Mais il y a peut-être... Ah, un coffre à Minouze. Coffre de Minouze. Et rien d'autre. Ah, si, il y a ça. Hop. Et coffre de Minouze. 95. Oh putain, il me manque 3. Bon, on va essayer d'en avoir 3 dans cette zone. Là, on commence à être un petit peu en retard niveau âme de Minouze. Il y a certains moments où... On n'a pas trop ce qu'on veut. Voilà, c'est quoi cet endroit? Bizarre. C'est juste pour un... examiner. Ah, camomille. Ah, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Il y a quelque chose là? Non. Ça sert à rien. Ah non, je peux pas aller dans l'eau. Oh, c'est... Un beau petit endroit. Attendez, il y a un truc à examiner. Au sud. On va prendre ça. Allez, on va ouvrir le coffre à Minouze. Coffre à Minouze. Ouais. Vous avez trouvé un Minouze. Haut de forme. Tout ça pour ça. Bon, de toute façon, c'est que pour les cosmétiques, hein, donc... Je m'en fous. Mais bon, un haut de forme, c'est pas ouf. Hein. Sinon, je peux le donner à Aizen. Ça lui irait bien. Allez. On continue vers la prochaine ville, l'Ogresse. C'est par là-bas, hein, je pense, ouais. Oh, il y a plein de... あの壁すごく大きい。この国の王都ローグルスだ。巨大な城壁で町を囲み、ゴーマの侵入を防いでいる。精霊をこき使うことによって、人は身の丈以上の文明を手に入れたのじゃよ。初めてじゃないだろ、ライフセット。前にも来たことあるけど、その時は僕は今みたいじゃなかったから。そうか。 大魔師に使役されてる精霊は景色を見ることもままならないんだな。次にままならなくなるのはわしらじゃがのう。
王家も政領の本部もある国の中枢じゃ。王国兵も大魔士もあちこちで見張っておる。わしらアクターにとっては居場所のない町じゃ。居場所なんていらない。アルトリウスの居所さえ分かればそれでいい。OK. Oh là, y a, oui, il y a plein de gens ici. Oh, un coffre. Un coffre. Et toi, le loup. Oh. Petit salopard, va. Petit salopard. Quel moment. Quel moment tu te permets de faire ça. Oh là là. Ils sont 5. Ils sont 5. Ils ne rigolent pas. Boum. Moi non plus, je ne rigole pas. Boum. Voilà. Allez, vite, il faut que je récupère une âme. C'est bon, j'en ai récupéré deux. Allez, toi aussi tu vas m'en redonner une. Bam. Boum boum boum. Parfait. Allez encore. Parfait. Et je crois qu'il ne reste plus que celui-là qui est sur ses gardes. Viens ici. Arrête de te protéger. Arrête de te protéger. Voilà. Merci. La victoire est à nous. Ouais. Ok, bon. On va prendre ça. Bon, je vais visiter cet endroit en off. Hein. Moi je veux avancer.調べるものじゃない。自然に交わす。顔、硬いぞ。分かってるわよ。そこの黒コートの女、手形を見せてもらおう。どうした？清涼が旅人に発行する通行手形だ。この未熟者！奇術師見習いの基本はにっこり笑顔と教えたじゃろうが！奇術師？いかにも！ご覧の通り、くせ者ぞろいの我が一座、その名も、マギルー奇術団と称しまする。式典の余興か。過去にもその通り。いやはや、我がバカ弟子が失礼いたしました。ほれ、兵士様のご不信を解くのじゃ。お前の得意芸、鳩を出してみせよ。は？すみません、師匠、仕込みを忘れました。なんと情けない奴じゃ。芸の道をいかに心得おるか。待て、こんなところで鳩を出されても困る。いいや、勘弁できません。お詫びに鳩のモノマネをせい。ハトマネ。ポッポッ。かように泣く子も笑うマギルー奇術団、ローグレスの皆様にご挨拶の一席でございました。ほら、こんなところで宣伝をするな。さっさと散れ。かしこまり。なかなかの手口だったな、マギルー。あんな子供騙しは今回限り、ポッポ。怖い怖い、ポッポ。あと、すごかった。その子供騙しで入れた。王とも大したことないわね。それだけ守りに自信があるんじゃろうて。ライフセット、王との戦力を知っておるか。王とに配備された大魔士さ、大魔士は1000人以上、守備兵士は2個師だ。さすがは王とだな。油断ではなく余裕と見るべきだろう。通行手形がないと厳しいか。民衆がニコニコなのも納得じゃな。ゴーマに怯えまくっとった数年前とは大違いじゃわ。でかい式典があると言っていたしな。そんな余裕があるほど、ここは平和なんだろう。その平和は、ルフィ、ベルベット。Bon, ça, le joyeux de l'Empire. Ça me rappelle un petit peu la scène où la première rencontre avec Sergueï, quand
quand avec bah, toute la troupe dans Tales of Zestiria, quand on rentre dans le... Je sais plus comment s'appelle cette ville. Avant Pendragon. Dans l'Empire de Roland. Bref, allez, on visite un petit peu tout ça. Il y a des fleurs un petit peu partout. Il y a des âmes un petit peu partout. Oui, encore quelque chose ici. Salut les gars. Apparemment, vous gardez une porte qui ne peut pas être ouverte. Bon, elle parle, ça m'a saoulé. Regarde-le lui. Oh, regarde le petit enfant. il n'y a rien. Vous, je veux pas vous parler. On va passer ici. Là, c'est d'où on vient. Hein. Attendez. Ah non, c'est pour avancer dans la ville. Moi, je veux visiter. Voilà, je veux visiter encore un petit peu. Il y a peut-être des coffres qui pourront être utiles. Ici, il y a une âme qui était cachée. Une âme de Minouze. Non, là, il n'y a rien. Là, un coffre. Ah oui. 800 gold. Allez. Allez. Ah, il y a un objet là. Examiner. Putain, mais il y a vraiment... Il cache tout très sournoisement. Hein. C'est terrible. Allez, on peut partir de l'autre côté. Enfin, plus loin dans la ville. Oh putain, mais c'est énorme. ça, c'est l'auberge. C'est l'auberge. Bon, là, il y a plein de gens... Non. Il y a plein de gens des bobos, là. On va éviter de passer par là. Il n'y a pas des... Ah, ouais, c'est des trucs cool. Pourquoi... C'est quoi les points verts? Je sais pas ce que c'est les points verts. Allez, je crois que c'est les gens avec qui on peut parler. Bonjour les gars. Ah, je peux pas être... Je peux pas passer au milieu. là-bas, c'est bloqué. Pas d'item. Là, je peux passer ou pas? Non. Je ne peux pas passer au milieu de tout le monde. Ça aurait été un petit peu simple. Enfin, simple. Joseph. Il y a des âmes là. Oh, arrêtez de faire les meufs, vous. Hop, on reçoit ça. Tac, tac, tac. Et... Ici, il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de choses. Bon, sûrement que je rate certains petits items. Mais moi, je voudrais bien avancer. Quoique... Là-bas, il y a un magasin. Attendez. Lavande. Hop, hop, hop. Ah, un coffre. On va prendre ça. Et habit de calcite. On peut monter là. Qu'est-ce que cela va cacher? Qu'est-ce que cela va cacher? Une porte. Une porte là. Non. Ah, on peut aller là. Ah, un coffre à Minouze, mais genre 95. 95 âmes de Minouze. Alors, on se barre. Pourquoi il n'y a plus de musique? Ah, d'accord. Ah, d'accord, je me suis éloigné du... de l'endroit, ça... il n'y a plus de musique. Le magasin, on est à combien de temps? Parce que si on est bien avancé... Non, on est à 23 minutes, on peut continuer. Sinon, j'aurais fait une petite... coupure et j'aurais été farmé un petit peu enfin j'aurais été revisiter un petit peu toute la zone précédente, tout ramasser, mais on va surtout... Oh, c'est énorme. J'ai bien envie de remettre ma vêtement, mes vêtements classiques. Est-ce que c'est... ça fait bien comme ça? Ouais, ça fait bien avec les cheveux normaux. すごい完成じゃな。しつけが行き届いておるわ。王国民よ。ミッドガンド聖堂王国第一王子パーシバル・アスガードである。この良き日を皆と祝えることを 父王と共に嬉しく思う。式典が始まった。こりゃ割って入るのは無理だぞ。10年前の開門の日以来、ゴーマ病とゴーマの脅威によって我が王国は存亡の危機を迎えていた。
だが命が朽ち心が突き当てて行かんとする地に奇跡の剣を持ち、あそこ立つ者があった。登るのはいいがここで襲うのは無謀。誰やろう、アルトリウス・コールブランドである。アルトリウスの偉業は誰もが知っている。彼はローマに苦しむ民の救済に全てを捧げた。でも殺した。ご聖主の一中たる竿主を降臨させ精霊の力を我らにもたらした。でも殺した。ベルベット、混沌の世に断りという希望を与え、今その希望が絆となって我々を結んでいる。でもお前は私の大事なものを全部、アルトリウスの偉大なる功績と献身を称え、今ここに災厄を払い民を導く救世主の名、同志の称号を授けん。世界は最悪の痛みに満ちています。なのに私は皆さんに頼まねばならなかった。断りによる苦痛に耐えてくれと、意志という枷で自らを戒めてくれと。なぜなら揺るがぬ断りとそれを貫き通す意志、これが最悪を切り払う唯一の剣だからです。今ここにその剣がある。私は誓おう、我が体と命を善なる民のために捧げることを。全ての人々に聖主カノヌシの加護をもたらし最悪なき世に導くことを。世界の痛みは私が必ず止めてみせる。アルトリウス、あれがお前の標的か。いきなり飛びかかるかとヒヤヒヤワクワクしたわい。それじゃ無駄死にでしょ。断りと意志の剣がいるのよ、あいつを殺すために。アルトリウスさん、手堅くてつまらんの。そろそろわしはおいたまするかな。名残惜しいじゃろうが、探し物があるでな。お好きにどうぞ。さよなら。じゃあな、皆の大願成就、七転八倒を祈ってあるぞ。敵は同志様とやらだ。姿を隠すような相手じゃない。じっくり行こうぜ。奴の後ろにいたジジイがメルキオルだな。そう、奴らの情報を集めよう。何をしてるか分かれば隙をつけると言っても王国の最重要人物だ。探るにも手がかりがないとな。アイゼン、王都に裏の知り合いはいないの？船着き場の時みたいに。内陸には疎いが、アイフリードが懇意にしていた闇ギルドがあったはずだ。バスカビルというジジイが仕切っていて、確か王都の酒場が窓口だと。闇ギルド、そんなものがある。
とにかく酒場へ行ってみよう。腹ごしらえはできるだろう。そうね。Et voilà donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, on fait des bruits bizarres. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai récupéré un truc, ouais. On va juste ramasser un petit peu de ce qu'il y a là. Je vais faire un petit peu le tour de tout ce qu'il y a. Tout ce qu'on a passé, hein, histoire de ramasser un petit peu les coffres qu'on a vus. Ici, je sais pas s'il y aura quelque chose d'intéressant en haut. Enfin bref, je visiterai un petit peu tout. Je vais juste voir s'il n'y a pas une cinématique qui se lance. Et il faudrait aller, à mon avis, dans la taverne qui est là-bas. Pour continuer l'aventure. Mais on verra ça la prochaine fois. Ah. まさにアルトリウス様にふさわしい称号よね。私は信じるわ。どうしアルトリウス様がいればきっとこの大災厄の時代を乗り越えられるって。どうしアルトリウス、ずいぶんご大層な称号だな。アルトリウスはすでにミッドガンドにおける生息の実権を掌握していたが、この名を得たことで既存の権力構造を超えた民衆の希望そのものになったと言っていい。手強いどころじゃないな。それでも戦うの？当然よ。同志だろうが神様だろうが野良犬だろうが、あいつが仇なのは変わらないわ。Très bien, donc ce sera l'aventure contre le berger. Et sur ce, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à plus, à mardi ou vendredi prochain, je ne sais plus, je crois que c'est mardi. Donc de toute façon, vous retrouvez tous les épisodes les mardis et les vendredis. Votre expédition est rentrée, c'est génial. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine, bye.